Ce soir, dans l'émission, nous parlons à Orange Business Services. Orange Business Services, c'est une filiale service du groupe Orange. Parmi ce domaine expertise, ouvrent connectivité et mobilité, cybersécurité, big data and analytics et relations clientèle enrichies, entre autres. Nous vous causons avec le directeur de sa compagnie là et aussi un senior manager qui vous raconte tout ce parcours au sein de la compagnie. Jean-Michel Chaduc, vous êtes directeur chez Orange Business Services. Vous pourriez peut-être nous parler de la compagnie et aussi depuis quand vous êtes basé à l'île Maurice. Orange Business Services est la filiale du groupe Orange qui s'occupe de la partie business, c'est-à-dire les entreprises. Nous offrons et gérons des solutions pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Nous sommes installés à Eben depuis 2007 et nous avons connu une forte croissance. Aujourd'hui, nous sommes 1400 collaborateurs, dont 50% de femmes. La moyenne d'âge est 28 ans et nous avons une large palette de compétences. Ces compétences sont principalement autour de la connectivité Internet, autour de solutions cloud, autour de la cybersécurité, de l'Internet des objets, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Le développement personnel ainsi que l'environnement de travail fait partie de la culture de l'entreprise et est un élément fort de notre stratégie d'offrir à nos clients une expérience ainsi qu'une qualité de service inégalée. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune qui aurait aimé peut-être intégrer ce secteur de l'économie? Je conseillerais à tous les jeunes de regarder très sérieusement ce secteur, qui est un secteur en pleine croissance, très dynamique, qui offre des possibilités de développement et de progression de carrière. Nous investissons dans ce secteur beaucoup sur le développement et la formation, et sur l'île Maurice en particulier, le gouvernement a une position très supportive de façon à développer cette activité. Donc, ceux qui sont intéressés, je vous invite d'ailleurs plus particulièrement à prendre contact avec Orange Business Services, avec nos services RH, et nous regardons très attentivement toutes les candidatures. Comme je l'ai expliqué, nous cherchons pas seulement des experts, nous cherchons aussi des gens qui puissent se développer, qui puissent nous accompagner, et nous les aiderons dans cette démarche. José Escoucave, explique-nous à tes spectateurs au parcours au sein de Orange Business Services et aussi comment la compagnie accompagne ce bon staff. Alors, mon rejoint Orange Business Services, ça fait maintenant 11 ans. On a commencé comme spécialiste et bien sûr, au fil du temps, on a l'opportunité d'évoluer, gagner l'accompagnement au management, que ce soit en termes de formation, d'accompagnement ou un plan personnel et aussi en termes de carrière, plan de carrière. Qui me fait aujourd'hui mon évoluer en tant que responsable d'équipe tout d'abord, parce que c'était une opportunité, des parts de mes compétences qui m'ont montré et aussi des efforts qu'ils nous mettent dans notre travail au quotidien. Et aussi en termes de plan de carrière, là aussi, beaucoup d'accompagnement et beaucoup de formations qui Orange donne et qui propose sur mon collaborateur. On a l'occasion d'évoluer et aussi être toujours accompagné par le management et la direction, évoluer en tant que senior manager aujourd'hui. Voilà. Et s'il y a un jeune intéressé pour faire courrier à Orange Business Services, comment les business faire pour apply? Alors c'est simple, il y a un message de nous par Facebook, Orange Business Services Indian Ocean, ou il y a un CV le recruit.mauritius@orange.com, ou également le nouveau webpage www.orange.jobs. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.